Regard azur, visage angélique, chevelure blonde. À 18 ans, Emma Jourdan, fille de Laurent Sauziard et du cardiologue Guillaume Jourdan, est une charmante jeune femme. Ce dimanche 2 juin, la fille de Brigitte Macron a révélé, en story Instagram, un nouveau cliché de sa sublime cadette. Les internautes ont ainsi découvert la sœur d'Alice et de Thomas en train de déambuler dans les galeries du Palais de Tokyo, à Paris, pour admirer les œuvres de Mohamed Bourouissa, de Chloé Bensahel ou encore d'Angeleye. Fin mai, Emma Jourdan avait été immortalisée une première fois dans un musée, et plus précisément à l'Institut du Monde Arabe, Paris, afin d'assister au vernissage de la première exposition de son illustre mère qui a réalisé avec son compagnon Mathieu Graffenstadin une série de portraits cellulaires. Une sortie qui n'avait pas manqué de souligner l'amour commun que portent Emma, Laurent Sauziard et Brigitte Macron pour l'art. Avec mes trois enfants, on enchaîne les expositions. Emma, 18 ans, me ressemble beaucoup, elle vient de passer le concours de médecine, tout en ayant une passion pour le dessin, avait révélé Laurent Sauziard à Gala. FR, le 16 mai dernier. Supérieure à Brigitte Macron, sa fille Laurent Sauziard et son portrait craché Brigitte Macron, une grand-mère présente pour ses 7 petits-enfants en se lançant dans des études de médecine, en se passionnant pour le dessin et en pratiquant le patinage sur glace, Emma Jourdan fait certainement la fierté de sa grand-mère Brigitte Macron. D'ailleurs, l'épouse du président de la République, toujours sur tous les fronts, n'hésite pas à faire régulièrement l'éloge de tous ses petits, comme nous vous l'avions révélé en avril 2023 dans un reportage sur la première dame paru dans notre magazine, elle loue volontiers leurs exploits et vante leur savoir-faire auprès de ses amis. Elle a affiché un dessin d'Emma, la fille de Laurence, dans l'un des couloirs de l'aile Madame, et s'extasie sur les prouesses à cheval d'Élise et Aurel, les enfants de sa cadette Tiphaine. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet Poule.